seen with the likes of Tyler Bate, who was the first ever United Kingdom champion. And Byron, you shouldn't even be in the same arena as this man. Why not? Controls the pace of a match quite like this guy. Down, brain buster. Whoa. Action is on the move now. This might be it. Oh, my. Neckbreaker.
Et voici venir Aleister Black pour le main event qui va être nul autre qu'un match ladder match. Mais putain, j'ai du mal les gars. Donc ça va être le match commenté, ça sera le main event. Je pense qu'on va fonctionner comme ça dans les montages des shows normaux. Le main event sera le match commenté. Donc ça va être parti. Donc donc évidemment c'est pour le titre NXT. On commence à avoir les titres pour cette soirée. Hein. Comme vous l'avez vu juste avant, il y a déjà eu des champions. Et ça va être parti. Donc nous retrouvons donc Aleister Black, Velveteen Dream, Adam Cole, Johnny Gargano et j'ai oublié son nom. Sapristi. Comment qu'il s'appelle déjà? Pas Bobby Shift, non. J'ai envie de l'appeler Trent Barretta, mais c'est pas lui. Yes, j'ai oublié son nom. Tyler Bate. Waouh, j'ai eu du mal, les gars. J'ai eu mon cerveau, il a mis du temps. Bon, bah le match a déjà débuté en tout cas. On n'a pas le temps de présenter les catcheurs, que bah, c'est déjà fini en fait. Pas du tout. Alors, Aleister Black contre Johnny. Donc, comme vous l'avez pu voir juste avant, on a vu brièvement les backstage. On a eu Cactus Ohno qui s'est fait détruire par l'Undisputed Era, donc Aureli et Bobby Fish. Il y a, comme on voyait, bon, ouais, qui est passé par aussi la Trump Card. On a Adam Cole dans le match, qui est de l'Undisputed Era, si vous ne le connaissez pas. Et Adam Cole, hein, c'est le mec à droite qui tabasse Tyler Bate, qui tabasse finalement Adam Cole. Bref, chacun leur tour se tape, là, ils m'ont déjà saoulé. Et donc nous avons Cactus Ohno qui s'est fait détruire, yes. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Adam Cole, du coup, a demandé à Undisputed Era de détruire Cactus Ohno, je pense. Parce que nous avons vu après Triple H donner une mallette à Johnny Gargano. Et comme on peut le voir, Johnny Gargano est dans le match. Il a remplacé Cactus Ohno. Alors, on ne comprend pas trop ce qui s'est passé. Pourquoi Johnny Gargano a remplacé Cactus Ohno? Est-ce un avantage? Est-ce Triple H qui a fait appel à Johnny Gargano? En lui donnant la mallette, il lui a mis quoi dedans? De l'argent? Un contrat? Il y a quelque chose? On saura peut-être plus tard, mais en tout cas pour l'instant, on va revenir à ce match. Il y a eu un bro kick à Aleister Black. On revient à ce match qui est pour le titre NXT, voilà, donc nous avons donc dans les favoris, je pense, il y a Aleister Black surtout, qui est dans les favoris. Gargano du coup qui est une surprise de ce match, qui est pour son deuxième match de la soirée quand même déjà. Velvet Team et Tyler Bate, je pense, c'est les moins favoris, mais on sait jamais, ça peut surprendre. Et Adam Cole, attention, qui sait, qui peut être aussi une surprise. Oula, Aleister Black qui va piquer l'échelle à Adam Cole. Oula, ça va être... Oh, non, loupé. Attention, Gargano qui arrive. Oh, qui pousse à Aleister Black. Ok, ça part. C'est... Oula, ça... tout le monde se tape, je comprends pas trop. Oh là, Velvet. Allez hop, qui passe par-dessus les troisième cordes. Attention, Tyler Bate qui passe. Qui passe mais qui tombe pas. Que fait Adam Cole? Il est en train d'attaquer pendant que... Oh là, Aleister Black qui vient de mettre une droite. Ah, oh, le DDT sur Tyler Bate. Qui était assez... assez fou. Ah, Velvet qui a remonté quand même. Oh, attention! Une sorte de Sister Abigail. Je ne connais pas la prise originale. Il l'a mis au sol. Ça se met à deux sur Johnny. Attention. Johnny Wrestling qui contre une patate. Oh, et Velvet qui repasse par-dessus la trump corde. Et Aleister Black qui provoque. Putain, mais décidément, Velvet, c'est sa vie hein, de passer par-dessus la trump corde. Ok, attention. Moi, je pense que je vais boire un petit peu d'eau le temps qu'il se tabasse. Voilà! Je reviens pour qu'Aleister Black qui saute sur Tyler Bate. C'est énorme. Moi j'étais en train de boire tranquillement. Ok, Adam Cole qui prend. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Attention à Johnny. Je sais pas trop regarder parce que dehors ils sont trois. Johnny qui part pour une back souplesse. Oh là, il le jette. Prise assez dangereuse. Gargano descend du coude. Attention dehors. Ça part sur une powerbomb là, Aleister Black. Ah non, ça s'est loupé. Pour l'instant, Johnny qui en profite. Est-ce son moment? Le deuxième match de la soirée qui gagne? Ça peut être maintenant. Il va essayer de décrocher le titre, il va y arriver. Il va y arriver, il va y arriver. Attention. Non, oui. Ah, oui, oui, là aussi. Non, mais qu'est-ce qu'il fait, Aleister Black? Oh là, ça part sur une back souplesse directement sur Velvet. Ok, Adam Cole qui saute. Il galère à choper Johnny. Oh, il tombe tout seul. Ouh, sur l'échelle. Attention, ça aurait pu être dangereux. Oh, la Tyler Bate dehors qui prépare une échelle, faut faire attention. Oh, la belle back souplesse bien portée à Aleister Black. Attention à Velvet, il s'est fait contrer. Oh, le coup de pied qui est bien passé. Oh là, Aleister Black qui tape dans le vide, qui est énervé.
Oh, le coup de genou qui est mal passé. Attention. Oh, le coup de pied. La vache, les Stormblade qui est chaud. Attention. Open uppercut. Ok. Oh, il le pousse dans le coin. Attention. Attention à Adam Cole. Oh là, qui s'est fait pousser. Bah, tout le monde est tombé. Les Stormblade qui tombent dehors. Attention, Taylor Bate à Adam Cole. Pour l'instant, ça peut jouer entre deux. Oh, il pousse Adam Cole dehors. C'est peut-être le moment de Taylor. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh là, il me provoque. Taylor qui attend. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, ils sont tistes. Qu'est-ce qu'il fait avec le shell? Oh, c'était magnifique. Oh, il vient de détruire Adam Cole à l'extérieur du ring. Oh la vache, Taylor Bate qui a fait son move de la soirée. Attention à Gargano qui arrive. Ouais, ouais, ouais. Gargano. Oh là, Gargano, mais qu'est-ce qu'il fait? Le botch. Gargano qui s'est trompé. Quelle erreur. Oh là, le coup de pied qui a été esquivé. Oh, ça s'est retourné direct sur Velvet qui est encore projeté par-dessus notre même corde. Décidément, Velvet, lui, il passe sa game à passer par-dessus notre même corde, le pauvre. Oh, Gargano. Là, full Nelson. Oh là, slam, full Nelson slam. Attention, dehors. Oh là, ça se bat. Il y a décidément Velvet. Oh là. Non, c'est bon, Velvet qui met des uppercuts. Qui est encore projeté par-dessus son corde, décidément. Il est en Royal Rumble, Velvet. Attention, Gargano qui a l'échelle en main. Attention, elle. Ah, back souplesse. Ok, bien porté par Velvet. Qui provoque en plus. Et qu'est-ce qu'il fait, Star Black, non? Attention, en plus il monte. Alors, Adam Cole, allez, Star Black qui. Mec qui saute, mais oh là, il a touché Gargano. Oh là, le genou sur Taylor Bate. Donc, Adam Cole mis Velvet au sol. Oh, le stomp, mais décidément, ça s'active. Le jeu, ok, ouais, tout va bien. Taylor Bate qui vient de se relever. Et oh, le coup de pied de Taylor Bate là, c'était très bizarre comme attaque. Ok, que se passe-t-il? Velvet Teen, je crois que les gars, il est destiné. Si jamais il est au Rumble cette année, il va forcément perdre. Le nombre de fois où il est passé par monsieur Adam Cole est assez élevé. Je pense que vous pourrez le compter si vous avez que ça à foutre. Adam Cole, par contre, qui va en profiter parce que nous avons. Taylor Bate qui est KO, Velvet qui s'en prend à Taylor Bate, Aleister Black est KO, mais Adam Cole qu'en profite, Velvet ne voit pas. Velvet qui est... Non, trop tard, ça va être trop tard ça, Velvet. Adam Cole pour son titre qui gagne en plus, je crois. Adam Cole? Ah ouais. Adam Cole, le premier champion NXT. Oh Velvet, quelle erreur. Gargano qui a été jeté dehors. Et Aleister Black était complètement KO pour l'arrêter. Quelle erreur de la part de Velvet Teen qui aurait pu sauver le match. Mais non, qui a décidé de taper Taylor Bate à l'extérieur du ring. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je vous dis, on se retrouve pour Extreme Rules. Il y a des chances que le show soit en entier, donc il y a des chances que le show soit très long. Ou alors, on verra comment je vais me démerder. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. Et au revoir.